M'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi silencieusement, comme moi silencieusement. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. Sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Élysées et qu'un policier avait perdu la vie. Une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse : vous n'aurez pas ma haine. Aux élus ici présents, qui auront à décider pour demain. Je leur demande d'accorder les ressources budgétaires nécessaires pour recruter les personnels indispensables à la protection de nos concitoyens et pour leur fournir les moyens qui leur permettront d'agir encore plus efficacement. Mais chacune et chacun d'entre nous ici constate également depuis plusieurs années que des paliers sont un à un franchis dans la violence à laquelle les policiers et les gendarmes sont confrontés. Ils sont devenus des cibles, agressés à cause de l'uniforme qu'ils portent ou de l'insigne qu'ils arborent, attaqués dans l'accomplissement de leur mission, avec, oui, le risque immense de perdre la vie pour sauver celle des autres.